Sashi peu qui chuching me tok twam, oui ram ling shini de gien pali, sangi ching tu mik te ulwayi, droke nam tak ching la che pa chung, idam guru ratna mandala kam niryataya. On va commencer par la question la plus courte. Dans le titre du texte, que veut dire le ma de John Ma? Donc on avait en tibétain Chanchum Lamki John Ma. John Ma. Alors, là, c'est John Ma, c'est-à-dire Dembe masala na di sewa chingi ani mata busun ta shirab mata busrawa ta shirab dawu tlamna di gwar ta shirab sewa chawa on dine dawu de jana di sare. Donc effectivement le terme pour dire donc flambeau ou lampe ou lumière si vous voulez ce n'est pas John Ma comme il est écrit, c'est John Me. Ici dans le texte donc c'est enfin le titre c'est vraiment John Ma. La probabilité effectivement est que ça mette l'accent sur le fait que ce qui illumine en général, ce qui met la lumière sur quelque chose, ce qui sert de lampe, c'est notre capacité de comprendre les choses, notre sagesse en d'autres termes. Et la sagesse est considérée comme ce qui relève de l'aspect, comment on dit, féminin en fait, ou oui, l'aspect féminin en général. Et donc je trouve même pas le mot, mais comme on dit ma, c'est une, comment on disait, un suffixe. Ouais, on va dire un suffixe. Hein. Le suffixe ma, en l'occurrence ici, peut avoir cette propriété-là. Donc d'indiquer l'aspect féminin, en fait, ou féminine, je ne sais, oui, l'aspect féminin, en tout cas, de la lumière ou en tout cas de la sagesse, donc, qui apporte la compréhension du cheminement vers l'éveil. Parce qu'en fait, le propos, c'est la voie vers l'éveil, en d'autres termes ici, le chemin ou le processus vers l'éveil. Lequel processus, chemin ou voie, en fait, étant constitué du développement parallèle, comme on l'a vu, de la méthode et de la sagesse. Donc en fait, la lumière, donc c'est ce qui fait la lumière, c'est ce qui montre en fait le processus. Et qu'est-ce qui le montre? C'est notre capacité de comprendre, de connaître, donc une capacité de sagesse. Sans que cela fasse nécessairement référence à la sagesse qui réalise la vacuité, qui doit être conjointe à l'aspect de la méthode, en fait. Okay.
Didi kanati chon me ki ki chamaro wa lam chawa te te kaga chokyo wa. Kage. Tan de gen sunye te chawa te. Junju na. Ti hako ke do de kanati te tu di le ugu pa ki kanati ki tambo te chawa. Oh de. Te tu di yalak. Yalak te ta tam je te de wa. Che zan shi. Ya. Ti dan de wa te si chen na. Andi wa min do. Ra yalak te ta tam je ne sa di. Ani ka su le. Ji dan lam yu ze tam je. Shirab de Javajan and Dogu Yorwa. Shirab de Pepe Tapshir. Shirab de Chanju, Zobe Sanji Koban Tepe Tapshir and Dogu Yorwa. The name in the Ganan, so that the Java Delejane and Madi Java is. Donc tous les cheminements en fait vers l'éveil requièrent donc notamment le développement de la sagesse. Et on peut voir donc par là. Également, un peu l'accent qui est mis sur cette dimension peut-être de la sagesse. Donc par ce féminisation, ce suffixe en fait, féminin, c'est un suffixe féminin en fait, ce que je cherchais tout à l'heure, qui insiste en fait donc sur cet aspect de la lumière, donc de la lampe, enfin ou autre, c'est aspect qui font référence à la sagesse aussi, en général. Mais gardez à l'esprit que le terme, en fait, quand il est entier, là, c'est encore des formes contractées, mais lorsqu'il est entier, c'est John Ma, dans ce que vous avez S-G-R-O-N, ça se prononce John, et le terme entier, donc, qui est traduit ici par lumière, mais plus proche du tibétain, il faudrait dire flambeau ou lampe, c'est le terme utilisé pour lampe à beurre aussi, John May, par exemple, c'est un. Le terme se termine par mai et non par ma. Donc John May, on dit. Tenez. Est-ce que c'est la même chose pour Yun Ten Shigur Ma? Yende shi juma sila yadi kasukura ta ngarandu pepe kiji shetan nabu shi dhe sarwa. Tanda di ro ma sa yadi ma sa yadi mela kichi jagiri ma to chidam ma kiji di ma dhe sarwa. Tanda di kiji shetan. An chorandu kita ma sini kari re sini. Ine chikpo jabu yin sa re. Ma sa yadi yanda shi juma, kanglo ma. Kanglo ma. Re. Da peche di dhawu janan di sarwa. Di kanda ti sharab. Sharab le jar goya mindu sarwa. En fait, oui, c'est effectivement un suffixe qu'on va retrouver à la fin donc, du titre de nombre de prières, en fait, comme ça. Yonten Shigurma, le texte auquel fait allusion Gunga, c'est un autre lamrim, ce qu'on appelle la base de toutes les excellences ou le fondement de toutes les qualités. Et voilà, et c'est là, c'est en fait une comment dire, ouais, en fait, c'est un suffixe qui revient souvent à la fin d'un titre, en fait, sans nécessairement. Donc là, je l'ai expliqué, a dit on peut très bien lui donner cette dimension de la sagesse, c'est possible, mais ça n'implique pas selon le contexte, et ça peut être simplement comment dire, qu'est-ce qu'on aurait en français? Autrefois, par exemple, en latin, ce qui me vient, on avait deux l'éloge de. Par exemple, deux, vous savez, ces tournures, je ne sais pas si ça vous rappelle, ça ne me vient pas à l'esprit. En début, par exemple, de chapitre, ou à propos de sous-entendus, mais c'était deux, nanana, ou deux ceci. Ça pourrait être quelque chose, par exemple, comme ça, sans donner nécessairement un sens particulier non plus. Voilà, je ne sais pas le dire jusque-là. Mais... Donc certains effectivement, mais ce qui ne veut pas dire que tous les titres donc se terminent par moi pour autant. Voilà, c'est pas, il y a pas une, enfin, pas une règle particulière non plus. Alors ensuite, il y a d'autres questions. Une qui demande comment le fait de percevoir les phénomènes comme étant interdépendants peut nous permettre de faire l'expérience de la bouddhéité. Quand j'ai ce sangue qui couvre, n'y ont tout qu'il y a, je vais.
tandis nyong tu ke yare sanji ko ban nyong tu ko yare de na kon sul la tan sangi ke ko ban top tu ke yare chi par wa kin so no dira la tan ke yare che tam ji de me to ba zam la de ni ni sanji ko ban top yare de de sung go mar wa wa ji dan che tam ji de me to ba de di ni ka su re 산지 토약이 차진을 누구 그래? 차진을 누구 그래? 와, 다스 대면 또야 최 담지 대면 또 발을 때니 아니 가수래. 다스 산지 남주 고물로 누구 송해지나? 그냥 들듯이 송해로 와. 대면 또서나 어디 남나 만디바면 들어와. 대면 또서나 아니 랑슈게 아니 가족을 전주 있으면서야 돼 랑슈기 아니 숙중부 랩토야지 레그리사 좋아 전주기 사나 가르레스라나 덴중기 따와디 라미바 숙중부 니고 그래서 와 덴중기 따와디 라미바 숙중부 니는데 그네 아니 대라 가족래 소수긴 대화당 동해당 산지에서야당 참마 대라더니 대는 중바 인바데 하고 용고 그래서 때는 중바에 뭐 하고 있는데 소소로 대화 중요하지 상황으로 아니 산지에다 심진이 거리는 때는 중화에 뭐 하고 있는 거 아니에요 대연도 간에 아니 심진이 되면 맞지는 디기민도 삼지 아니 산지에 두야 들려온 거 아니에요 대할 때는 산지에 고방도 두고 그래요 그래서 이제 성공을 해서 와 Quand tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que La tenez tout. Deva yon a dit Tangalo, Sanje dans Simjin la tenez. Akuva yes. Tien dans Simjin et un yabar de chez Oudou. Anne San Dendesin Sam Tanja, Anne Simjin et un chia, Chenju Simke. Tenez un autre Sanji Kouan de tout, les Dijangores. Dire effectivement, on ne peut pas dire en fait de façon aussi directe telle que vous le dites dans la question, on ne peut pas dire que le fait de percevoir les phénomènes comme étant interdépendants nous permet ou de faire l'expérience ou de réaliser, on dit classiquement, la bouddhéité. En fait, le fait de percevoir que les phénomènes sont interdépendants, ou en d'autres termes, que les phénomènes sont dénués d'existence véritable, c'est une façon tout à fait parallèle en fait de dire cela, ne nous permet pas d'expérimenter la bouddhéité, ne nous permet pas de la réaliser, mais est une condition nécessaire à la réalisation de la bouddhéité. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, en d'autres termes, à la réalisation de la bouddhéité. Par exemple, Nagarjuna nous a dit notamment que lorsque le fait de réaliser justement l'absence d'existence véritable, en d'autres termes, que les phénomènes donc sont interdépendants, si vous préférez, va naturellement accroître en notre esprit notre prédisposition à l'esprit d'éveil, en quelque sorte, et renforcer en fait les tendances, l'esprit d'éveil que nous avons, nous permettre en fait de le développer beaucoup plus intensément, en d'autres termes, avec davantage d'ardeur. En effet, le fait de comprendre l'interdépendance, le fait de la percevoir, alors on dit d'avoir réalisé la vue de l'interdépendance, le fait de développer une certitude à cet égard va naturellement accroître notre tendance à l'esprit d'éveil, à bodhicitta, et à le développer. Lorsque nous réalisons l'interdépendance, qu'est-ce que cela veut dire ? Nous réalisons que tous les phénomènes, dont ces expériences de bonheur, de bien-être d'un côté et de souffrance ou de désarroi ou autre de l'autre, existent en dépendance, sont produites en dépendance. Nous comprenons par exemple que notre bonheur, notre bien-être est dépendant d'un côté des Bouddhas, donc ça pourra être détaillé, mais est dépendant des Bouddhas et est dépendant de l'ensemble des êtres. Est dépendant en quelque sorte de ce que nous faisons, des instructions que nous ont délivrées les Bouddhas, et dépendant de la manière dont nous interagissons avec les êtres. Lorsque nous comprenons cela, naturellement nous réalisons qu'il nous faut en fait développer l'altruisme, il nous faut être bénéfique aux êtres en fait, pour pouvoir faire l'expérience nous-mêmes d'un tel bonheur. C'est en dépendance en tout cas de cela que nous pourrons nous-mêmes faire l'expérience d'un bonheur, du bonheur, ou d'un bonheur pérenne, d'un bonheur stable. Ce qui nous montre que c'est bien la compréhension de l'absence d'existence véritable, la compréhension de l'interdépendance qui était en quelque sorte notre, ou qui émule plus exactement ici, notre développement de l'esprit d'éveil, de bodhicitta.
Et les deux étant développés, donc ensuite, alors à ce moment-là, la réalisation de la bouddhéité donc est possible. On peut alors à ce moment-là, en vertu de ces deux aspects, faire l'expérience, si vous préférez, ou réaliser la bouddhéité. Je sais. Est-ce que ça vous convient comme réponse? Est-ce que ça vous va? Peut-être, ça va. Peut-être. Tirwa jidan nam she jinde da da dishi jaga ma ja yu da ishi ta shi. Que signifie pratiquer conjointement l'esprit d'éveil et la sagesse? Cela fait-il allusion à la pratique de la quatrième classe de tantra? Tu as tapché son gel ma la bache yingo ki marwa tap ton sherap wa dene wa indi mundi ki la len chigo ki res wa la ki roa te tu dit tap ton sherap quand était le dene quand la len chigo te te là quand était du dessin n'en est quand était la mégula jogi indi mundi jogi res wa dit chigo lo qu'est-ce ah cos ah cos tap de shiran dreva sa de jite shiga lo tap de shiran dreva yungro Yonta Jachawa, Haikuda, Nisaba, Ni Tony Dobe, Shira, Sadirwa, Seva, Dini, Sundu Java, Lagoa, Dini, Dichazan, Yotis. It is so dola, young Euro. Dola, Dola, hundred years, Lamna. Chito Chisu, Chito Chisu, Java, Shahur Mato, Ni Dini, Chito Java, Shatu. Donc cela ne signifie pas, ne fait pas allusion nécessairement donc à la pratique de la quatrième classe. Si on distingue en fait le sutra du sutra, en fait de ce point de vue-là, l'aspect de la méthode et de la sagesse. La méthode ici, on parlait d'esprit d'éveil, donc ça fait référence à la méthode. L'aspect de la méthode et de la sagesse sont pratiqués de façon indissociable uniquement effectivement dans le cadre du tantra. Mais dans le cadre des quatre classes de tantra, puisque ce qui a par exemple été dit très brièvement ce matin, mais que c'est de la réalisation, donc de la. Enfin, à partir de la sagesse qui réalise la vacuité, que l'on apparaît sous la forme de la déité. Donc là, on voit que les deux aspects sont joints, au sens de façon indissociable. Pardon, l'aspect de la méthode et l'aspect de la sagesse sont pratiqués de manière indissociable. Et cela est valable de la première à la dernière classe de tantra. Néanmoins, dans le contexte de la pratique des sutras, il y a une pratique conjointe qui n'est pas indissociable, mais qui doit être conjointe, en ce sens que un aspect assiste l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'on développe l'aspect de la méthode, par exemple, c'est-à-dire lorsqu'on s'entraîne à développer la bienveillance, la compassion, l'esprit d'éveil, cela est fait de façon. Ce développement est sous-tendu par la sagesse, doit être sous-tendu par la sagesse. Et inversement, lorsqu'on s'attache à développer l'aspect de la sagesse, ce développement de la sagesse doit être sous-tendu par avoir cette dimension, d'autres termes, de bienveillance, de compassion ou d'altruisme. C'est en ce sens qu'on entend conjointement dans le contexte du sutra. Et la dernière question demande, lors de conversation conflictuelle, la colère est présente et on s'aperçoit en cours de conversation que nous faisons du mal à la personne qui est en face de nous. Comment à cet instant peut-on transformer la situation pour qu'elle soit bénéfique aux deux personnes? Nicolas, Penye Kichetu, Kare Chetu Kyore, Te Kapsu,
Di khabdu dagara. Lao. Khabdu dagara ni ga phenya thapsila. Sisu ge samu dangje. A da di re ma sun yagu chu ma sun. Nga khondu sa yudu kho khondu sa yudu khondu sa suna. Nga ni ta dukja yunga ma deyo ma re. Dile ali khabdu ta. A ta dile ma je chora nga dwi tsem devu mindu khondu sa yudu. An chora nge di nanshin khondu sa yunga nyanga yo res. An dine se labje. Ani niga thapsi che ali di ma de shin rosa yo ma re. Sarwa. Dindes labje, an majina, mani dinde majje, an ngarani kije shiwato ni shena yagi des, lulej ni shiwos, kono mazas yaguyo mares la shena di yagi des, wa. Kije shetu kiyena. Kije shetu kiyena. Ina de chima tu na pasho de kide te weki an kane ti duro doye yoro wa kashi. Da dinde kabe dinde yong sigiri, dile dinde yong sare samna, yanga chumbu yong sare sena, an dinde pa chinden chia di yagi des, pa chinden chia, kije mashi yagi. Donc, dans un tel contexte, donc il y a cette prise de conscience que, par exemple, nous-mêmes, nous sommes en train soit de nous laisser aller donc à la colère, soit que on sent la colère donc sur le point de s'élever en nous, et de se rendre compte que il y a quelque chose de complètement inadéquat, complètement inapproprié là-dedans. C'est-à-dire que la colère n'a pas de mise, qu'elle n'apporte strictement rien de fructueux ni à soi-même ni à l'autre. Donc il peut y avoir deux types de situations possibles, c'est-à-dire que soit on sait qu'on a un interlocuteur auquel on peut dire cela. On peut parler à ce moment-là et dire « Oh là, attends, je me sens pas très à l'aise avec ce dont on est en train de parler. Je sens que c'est quelque chose qui me met mal à l'aise et je sens que je suis en train de m'agacer ou de m'énerver et c'est pas bon ni pour toi ni pour moi. Peut-être que toi, tu es dans la même situation. Donc, il vaut mieux que laisse ce sujet qu'on en reparle plus tard ou on passe à autre chose, on en discute dans un autre contexte. Donc, il peut y avoir ce cas de figure. Donc, c'est quelque chose de possible. Quelquefois, dire cela, ça fait que mettre l'huile sur le feu. Ça peut arriver aussi. Et auquel cas, de son côté, dès qu'on prend conscience en fait, de cette colère ou cet embryon de colère et qu'on sait très bien que de le dire, ça ne ferait qu'aggraver les choses, soit de changer de sujet quand c'est possible, soit d'une manière ou d'une autre d'arrêter, d'interrompre en fait, la conversation et de prendre un petit peu de distance, quelques instants, voilà, le temps nécessaire donc, avec cette personne pour apaiser... en tout cas, faire que cette conversation ou cette action, en tout cas, ne s'envenime pas. Il y a une autre façon également de réagir dans la même veine, c'est alors que l'on réalise donc que la colère, que notre esprit est en proie, par exemple, à de la colère déjà, ou sur le point en tout cas de l'être, immédiatement de s'excuser auprès de l'autre en disant excuse-moi, je suis allé trop loin, ou je suis en train d'aller trop loin, ou là mes propos sont en train de dépasser ma pensée, et excuse-moi, je retire ce que j'ai dit pour le moment, ou sont entendu la manière dont je l'ai dit, enfin, voilà, de pouvoir se rétracter immédiatement, c'est également quelque chose qui peut être salutaire. Et si ça ne marche pas, mais allez-y, alors mettez-vous dessus. Et après, vous comptez les points. Pas de suture, mais les autres. Et après, en fait, vous constatez celui qui est le plus habile avec les mains et celui qui est le plus habile à esquiver. En espérant que vous serez parvenu à apaiser le débat un peu plus tôt quand même. Madi madi yaguyo mardas va. Jemani yangi din la yadi madi madi yaguyo mardas. Madi c'est
trouba maja mada. Sobo comme na yakshures, trouba jayatini ta. Vous l'avez compris, c'était bien évidemment une plaisanterie. D'aucune façon, je ne vous invite à. D'aucune façon, je vous invite à passer aux mains ou même sans passer aux mains, c'est-à-dire à vous quereller, à vous battre, etc. Vous connaissez, vous en avez assez entendu parler, vous connaissez trop les bienfaits de la patience en fait et de tout ce que ça comporte. Je suis allé à la maison. Rappelez-vous toujours que la patience est la meilleure arme dont nous disposons dans un tel contexte. Et c'est la raison pour laquelle il est important régulièrement de réfléchir en fait aux inconvénients de la colère, à tous ses travers, à tous ses désavantages, et en contrepartie de réfléchir donc aux bienfaits que l'on peut tirer de la patience. Pour ne l'évoquer que très brièvement, mais lorsque l'on pense à la colère, quand on la voit se manifester, lorsqu'elle se manifeste en nous, regardons combien notre esprit est tendu, combien il est mécontent, combien il n'est pas à l'aise en fait, combien il est crispé, et regardons dans l'immédiateté en tout cas, combien cela tend le contexte, l'atmosphère dans laquelle on se trouve, et combien à long terme cela affecte tout simplement même notre santé, sans parler de notre santé mentale, même de notre santé physique, en fait cela a des répercussions sur notre santé. D'un autre côté, si dans cette telle situation on s'arme de patience en fait, on développe la patience, tout au plus qu'est-ce qu'il va se passer, on va entendre quelques mots qui sont déplaisants, qui sont désagréables, mais ça s'arrête là, ce sont que des sons finalement, si on n'en fait pas plus cas que cela. Notre esprit n'est pas déstabilisé, on ne perd pas notre tranquillité intérieure. Les êtres qui se trouvent à notre contact ne sont pas eux-mêmes tendus à ce moment-là, et ils ont un regard favorable finalement sur nous, enfin ils portent un regard favorable sur nous, et là encore donc par contre ça n'affecte pas notre santé, par contre finalement nous travaillons en quelque sorte pour une meilleure santé, et nous avons besoin en fait de le rester le plus longtemps possible en bonne santé. Parce qu'effectivement, on a besoin quelque part de vivre longtemps, en bonne santé, avec l'esprit le plus serein possible, étant plutôt apprécié par les autres que, au contraire, détesté, haï, etc. Et lorsque l'on conçoit donc les existences passées, les existences futures, pour ce qui est de notre existence à venir, on a besoin là encore de disposer d'un tel support qui est encore donc en bonne santé, sans handicap particulier, plutôt plaisant dans son aspect extérieur, etc. Et ça fait partie, pardon, des bienfaits justement, des avantages procurés par la patience. Et donc justement, prenons le chemin qui nous conduit au développement de la patience. On va commencer avec ça.
yin diga ne dang arad di jangi na yagwe Effectivement, donc dans ce texte, on cela arrive parce que c'est nécessairement toujours présent à différents moments. On verra la nécessité en fait de développer une telle capacité et on verra les différentes formes de bienfaits donc de la patience. Et c'est une chose excellente en fait à laquelle il est bon de s'entraîner à tout temps. Alors, on commence maintenant avec ce qui correspond au premier quatrain, si l'on veut. Ce premier quatrain, donc, est l'hommage d'Atisha. Et il dit à tous les victorieux des trois temps, à leur enseignement et aux communautés, avec grand respect, je rends hommage. Cet hommage, en fait, répond à deux propos différents. Le premier est pour l'auteur d'accroître son potentiel positif, et l'autre est également, en quelque sorte, une façon en fait de s'engager, pourrait-on dire, à mener son texte, rédiger son texte ou le composer jusqu'à son terme. Cette phrase nous dit donc qu'il y a un hommage, donc l'auteur s'incline, montre son respect en quelque sorte à quoi tous les victorieux des trois temps. Les victorieux sont les Bouddhas en fait, qui sont manifestés dans le passé, qui se manifestent actuellement, qui se manifesteront à l'avenir, donc tous les Bouddhas. Ensuite à leur enseignement, il s'agit en fait du joyau, ce qu'on appelle le joyau du Dharma, et donc pour les Bouddhas il s'agissait en fait du joyau du Bouddha, du joyau du Dharma, et les communautés c'est le Sangha, l'ensemble de l'assemblée, donc des pratiquants. Et c'est le joyau du Sangha, et donc en fait il s'agit de rendre hommage ici au joyau du Bouddha, du Dharma et du Sangha des trois temps, donc du passé, du présent, du futur. Par ce terme de Bouddha, en fait on le trouve dans le sanskrit, le terme Bouddha, le tibétain dit Sangye, là encore il est constitué de deux syllabes, et on va retrouver en fait la même logique que celle que l'on a vue ce matin dans le terme de l'éveil, Changchup. En fait, il y a cette première partie Sang qui signifie, donc qui s'est dépouillé, qui s'est débarrassé des deux voiles, et Gye, c'est-à-dire qui a accru, en fait qui a développé, et qui a accru, qui a développé quoi les deux... dire les deux types de connaissances, qui est ce qu'on appelle la connaissance du réel et la connaissance de la diversité. Quand on
Quand on parle donc de ces deux connaissances, connaissance du réel, connaissance de la diversité, c'est en fait la capacité de percevoir donc d'un côté tous les phénomènes réellement, c'est-à-dire tels qu'ils existent réellement, comme on le disait, c'est-à-dire lorsqu'on les examine, on examine un phénomène quel qu'il soit de façon détaillée, de voir finalement qu'il n'existe strictement rien qui existe de par lui-même, ou lui-même, de son propre côté. Mais qui n'existe qu'en dépendance, c'est pour le dire brièvement. Et donc c'est arriver à comprendre la nature, le mode d'existence réel, le mode d'être, on dit quelquefois, le mode d'existence réel, véritable des phénomènes. Donc ça c'est la connaissance surréelle. Et la connaissance de la diversité fait allusion à ce que l'on perçoit, en fait, sans justement examiner plus avant un phénomène, c'est-à-dire l'aspect relatif, en fait, du phénomène, c'est-à-dire la manifestation qu'il revêt, en quelque sorte, ce qui apparaît, en fait, initialement, à nos yeux. En fait, il s'agit de, lorsqu'on regarde, on parle de la connaissance de la diversité, c'est-à-dire c'est la perception donc de l'aspect relatif, de l'aspect conventionnel, dit quelquefois, des phénomènes, c'est-à-dire le fait de, tous les objets, qu'il s'agisse donc des formes, des sons, des saveurs, des odeurs, des phénomènes du toucher, également des phénomènes mentaux, tous les phénomènes finalement auxquels on peut que l'on peut concevoir, que l'on peut percevoir, enfin percevoir directement, c'est leur manifestation relative, en fait. C'est arriver à percevoir, à voir, en fait, à percevoir leur manifestation relative, que l'on entend par connaissance de la diversité. Justement, une fois que l'on accède à ces phénomènes, quand on les perçoit, donc quand on perçoit leur manifestation, donc une forme, par exemple un son, n'importe quoi, lorsque se manifeste cette connaissance du réel, elle va examiner ce phénomène et voir que ce phénomène, donc cette forme, n'apparaît pas telle, n'existe pas, pardon, telle qu'elle apparaît à notre esprit. Elle existe, certes, ça c'est indiscutable, donc il y a bien une existence relative, une existence conventionnelle qui prend la manifestation, donc qui s'impose à nos yeux. Néanmoins, cette manifestation ne reflète pas la manière dont le phénomène existe vraiment, et c'est ce que perçoit la connaissance du réel. Donc cette notion de Sangye, donc de Bouddha, quand on dit Gye, c'est cet aspect justement qui est doté, qui est développé, qui s'est doté de ces deux niveaux de connaissance. En d'autres termes, la connaissance de l'ultime et la connaissance du conventionnel, du relatif. Ta gogden da lamden slaydi kharla wore ta thanji laydi na ji chön nam gi nezu khande de ta je chi ne ta je chi ndi di nezu thar to pa di to ne lu to yong de ga ne di to be lo di ngo sum de chö yong de ga ne lamden wa lamden sla wa des lamden gogden sya di khande chi lamden de la te ni chö thanji ne lu lo ji be ji ba di ma che che a pang bu wa des Nelula dibi diba jorwa. Nelula dibi diba. Nelula dibi diba. Diba. Nelula tonya la dibi. Allez, los tonye. Nelula dibi diba. Nelula dibi diba. Nelula tonya la dibi diba di. Ani ma chayagi chachik. Ngosundu tobe lo dala ten tobyung go ares. Ondela gok ten sila ares. Dida anyamdo ani di sem di. Dendegi lamden di ting kazura lamden. Dendegi ani chajadu toya dinyamdo sem digi dingi chunyi de la yang go den sila gurez. Donc ça c'est ce que l'on entend en fait par le joyau du Bouddha. Donc ce terme donc de Bouddha, c'est-à-dire un état donc dans lequel un état qui est dissocié justement des deux voiles et qui a développé donc il a développé parachevé si on veut mais développé ici les deux connaissances, connaissance absolue ou de l'absolu, la connaissance du relatif.
Par le joyau du Dharma, qu'est-ce que l'on entend ? On entend tout ce qui va faire référence à ce qu'on appelle la vérité de la cessation, la vérité du chemin. Ça rentre dans le contexte du premier discours du Bouddha, des quatre vérités, ce sont les deux dernières. Et qu'est-ce que l'on entend en fait par la vérité du chemin, la toute dernière ? Ce n'est autre, en d'autres termes, qu'une conscience donc, qui perçoit justement le mode d'existence véritable, le mode d'existence réel des phénomènes. C'est une sagesse en d'autres termes, mais c'est une conscience qui appréhende donc directement la manière dont les choses existent véritablement. Et une conscience est en mesure, en fait, un esprit est en mesure donc de percevoir cela à partir du moment où il s'est dépouillé donc des voiles justement qui l'empêchaient jusqu'alors, donc notamment des voiles des perturbations, donc qui l'empêchaient de percevoir cela. Et un état en fait dans lequel une conscience ou un esprit est dépouillé en fait de ces voiles justement qui lui masquent la manière dont les phénomènes existent vraiment, c'est ce qu'on appelle un état de cessation, une vérité de la cessation. Et à ce propos, donc, lorsque l'on parle donc, des trois joyaux, hein, ce joyau du Bouddha, celui du Dharma, celui du Sangha, on dit habituellement que le joyau du Dharma constitue le refuge véritable, le refuge par excellence. Pourquoi cela ? C'est parce que c'est en dépendance, justement, dans ces deux vérités, de ces deux dernières vérités, à savoir la vérité du chemin, c'est en dépendance de cette vérité du chemin, c'est-à-dire de cette conscience qui perçoit le mode d'existence véritable des phénomènes, que l'on peut progressivement se débarrasser des différents types de voiles, donc de plus en plus subtiles, et ainsi faire l'expérience d'un état de cessation. Donc. Et ainsi donc parvenir ensuite à la bouddhéité. Gholam karung jula denbe khansa jila de phabe khansa lagri gendu kunjo slabires wa. Ensuite, hein, ou enfin, il y a le joyau du Sangha. Qu'est-ce que l'on entend en fait littéralement par Sangha ? C'est le continuum d'un être dans lequel se trouve un état de vérité de la cessation, un état de vérité de la cessation et un état de vérité du chemin. Un tel être, en d'autres termes, un être donc qui perçoit directement le mode d'existence réel des phénomènes, en d'autres termes. Et donc c'est le continuum d'un tel être que l'on entend, le continuum mental d'un tel être que l'on entend par le Sangha. Et d'un tel être, on en parle comme d'un être supérieur, on dit un Arya, littéralement, enfin en sanskrit, un être supérieur, donc ou un Sangha. Et donc, pour revenir à notre texte, ici, que fait Atisha, le Seigneur Atisha ? Il se prosterne, il rend hommage donc, à chacun de ces trois joyaux et il indique qu'il s'apprête donc à composer, sous-entendu, à mener jusqu'à son terme donc, la rédaction de ce texte. Puisqu'il dit, à la requête de mon excellent disciple, Changchubhe, je vais ici faire toute la lumière sur la voie qui mène à l'éveil. À
Atisha parle de Jianzhu comme de son excellent disciple. Pourquoi ce terme d'excellent disciple? C'est que Jianzhu n'est pas allé trouver Atisha pour lui demander des instructions personnelles pour l'aider à le plus, on pourrait dire, à griller les étapes et le plus rapidement possible à parvenir lui-même à cet état de Bouddha pour lui-même. Il est allé trouver Atisha pour lui demander en fait d'enseigner ou d'exposer quelque chose qui puisse être le plus bénéfique possible au Tibet, donc à l'ensemble des Tibétains. On se rappelle dans ce contexte ici, le Dharma était en train de décliner donc dangereusement, et c'est afin de revivifier cet enseignement que Jianzhu est allé trouver le Bouddha, Atisha, pardon, et lui demande non pas quelque chose donc nécessairement de fulgurant en quelque sorte, mais de montrer l'ensemble du cheminement pour amener donc ainsi les amener tous donc en tant que Tibétains à pouvoir donc parvenir à l'état de Bouddha. Et c'est donc avec force là encore offrande, etc. Et c'est Atisha a accepté donc cela, et c'est par rapport à cette requête qu'il décida en fait, comme il est dit ici, de faire toute la lumière sur la voie qui mène à la veille, c'est-à-dire de rédiger ce texte. Notre manière d'interpréter ce terme de excellent disciple, pourrait le rendre, même si c'est pas le terme exact, mais par le disciple approprié, le disciple qui est prêt, en fait, le réceptacle approprié pour recevoir l'enseignement du Mahayana, en fait, du grand véhicule. Il est bon de s'arrêter un instant en fait sur Jianzhu de vraiment réaliser qu'elle est tout à fait particulier. Il fut, et combien nous lui devons en fait, parce qu'il faut se souvenir donc à cette époque le Dharma avait décliné considérablement au Tibet, menacé donc même de s'éteindre tellement il avait été corrompu par multitude de vues fausses, de vues erronées. Cet être, donc comprenant le danger imminent, fit don en fait de son corps, tout simplement, en fait, dans des circonstances donc toutes particulières, mais fit don de son corps pour que cette requête arrive auprès de Atisha et qu'il accède en fait à cette requête, c'est-à-dire que Atisha se rende au Tibet et qu'il revivifie en fait de façon complètement authentique l'enseignement du Bouddha. Donc il est bon de penser un instant finalement à combien nous devons à cet être si par la suite donc le bouddhisme redevint florissant et continue à se propager au Tibet et au-delà maintenant de ses frontières, combien finalement nous lui devons. La particularité donc dans l'amrim des étapes de la voie, donc c'est-à-dire du type de texte dont il s'agit ici, est de faire référence en fait ou de s'adresser justement à trois types d'individus, des individus de petite capacité, de capacité intermédiaire et de grande capacité. Et Atisha donc va poser cela de façon tout à fait nouvelle et lui expliquer le pourquoi de cela. Voilà.
di karisi gore la na ani kansa sula susu sula ani samba cho ding chimbusum gore samlo dang dang top chejun wa samba top chejun ani cho ding chim a kazora chungu da ding da cho sum yung gore di sum yung gore da an dela tin ani ji wu chung ding chimbusum chagi yin sum sum gore sa. Et Atisha à ce propos donc, indique « Comme ils s'avèrent inférieurs, médians ou supérieurs, les êtres sont réputés se répartir en trois catégories. » Quand il dit cela, en fait, il fait allusion à la motivation, à la capacité finalement de... à l'envergure, en d'autres termes, de la motivation que chacun d'entre nous peut développer en fonction donc, de la force mentale de chacun, de nos aptitudes. Nous pouvons développer une motivation qui est de plus petite envergure, une motivation d'envergure intermédiaire, voire une motivation de très grande envergure. Et c'est pour répondre finalement à chacun des pratiquants ou à chacun des stades différents donc parcourus par les pratiquants que Atisha a posé ainsi donc trois catégories, en fait trois types différents. Ensuite, il nous appartient donc de voir en ce qui nous concerne, à tel ou tel moment d'ailleurs, mais à quel type de pratique nous appartenons. Peut-être que nous sommes hors cadre même. C'est pas impossible. Non, il y a quand même un réel risque si on regarde bien, parce que même de ne pas encore entrer dans le cadre, c'est pas hors cadre, sous-entendu être au-delà des supérieurs, c'est pas être encore au niveau même de la motivation inférieure en fait. Et donc, Atisha nous prête main forte ici, puisqu'il nous dit justement leurs caractéristiques, donc les caractéristiques de ces trois catégories d'individus, sont très claires, et je vais décrire leurs traits distinctifs ici. Donc ensuite, il nous appartiendra finalement à chacun d'examiner pour voir à quoi, enfin, éventuellement, nous pouvons nous appartenir. Alors, la première catégorie, donc Atisha va décrire, est celle des individus dont la motivation est de petite envergure. Donc, il dit « Celui qui, par tout moyen, ne recherche que les seuls bonheurs du cycle des existences dans son intérêt personnel est connu en tant qu'être inférieur, sous-entendu donc de par sa motivation. » Alors, pour voir en quoi consiste finalement un individu dont la motivation est de petite envergure, donc entre guillemets inférieure, il s'agit d'un être qui œuvre actuellement, qui agit en fait en d'autres termes actuellement, de manière vertueuse, c'est-à-dire qu'il va chercher par exemple à accomplir ce qu'on appelle les 10 actions vertueuses, à se préserver donc des 10 actions non vertueuses notamment, et cela afin donc constamment à la recherche donc du bonheur
qui relève d'une existence conditionnée, qui relève du cycle des existences. Et donc, pour cette vie-ci, mais pour la vie prochaine, c'est-à-dire pour se préserver de renaissance dans des états d'existence infortunés, redoutant en fait les souffrances donc, qui caractérisent ces différents états d'existence infortunés. Donc il va chercher à éviter coûte que coûte, à éviter de prendre naissance dans de tels états infortunés et agir donc de façon favorable en accumulant ses actions vertueuses à cette fin-là, donc actuellement. Donc simplement la recherche du bonheur du cycle des existences. Et quand on disait tout à l'heure que le risque n'était pas négligeable, que nous-mêmes ne soyons pas encore entrés dans une de ces catégories, c'est que si l'on regarde bien ce qui nous anime, il se peut très bien que lorsque l'on examine, ce ne sont même pas le bonheur du cycle des existences dans son ensemble qui nous préoccupe, mais le seul bonheur de cette existence-ci, et que nous ne cherchions même pas à agir positivement, de façon vertueuse, favorable, en vue de nous préserver même d'existence défavorable dans notre existence à venir, mais simplement pour obtenir un gain immédiat dans cette existence-ci. Si tel est le cas, alors effectivement, nous ne sommes pas encore, en fait, notre motivation n'est pas encore au niveau de celle d'un individu de petite capacité. Parce que pour comprendre cela, l'individu de petite capacité sera motivé par le fait de se préserver d'une renaissance dans un état d'existence infortuné et agira donc à cette fin-là. Et lorsque l'on examine, si l'on se rend compte que effectivement nous agissons simplement dans le seul à la seule fin de d'éprouver du bonheur, du bien-être dans cette vie-ci, alors à ce moment-là, la première chose progressivement vers laquelle il nous faudra tendre, c'est de pouvoir accroître en tant soit peu notre motivation pour au moins arriver à celle d'un individu de capacité inférieure. Parce qu'à défaut de cela, il est complètement inconcevable, pour dire, d'ambitionner l'état d'un individu de capacité intermédiaire, voire de capacité supérieure. C'est de là, nous avons des gens qui sont en train de se faire, Il faut bien réaliser combien nous sommes attachés à cette existence-ci, combien en fait elle a un pouvoir d'attraction, enfin tous les différents aspects de cette existence-ci ont un fort pouvoir d'attraction sur notre esprit. Et il est clair qu'avant d'envisager de nous détacher même des existences à venir, il faut pouvoir nous détacher de cette existence-ci, c'est-à-dire nous détourner, faire en sorte que de détourner nos pensées de cette existence-ci ou exclusive, en tout cas d'une manière exclusive, pouvoir progressivement nous détacher, donc faire en sorte que ce pouvoir d'attraction diminue en notre esprit pour qu'ensuite le pouvoir d'attraction représenté par les existences à venir puisse diminuer. Il est évident que l'aspiration, enfin renoncer à vouloir obtenir une renaissance favorable, en fait, c'est-à-dire en tant que Dieu ou en tant qu'être humain, au cours de notre existence à venir, est quelque chose qui ne pourra pas se développer tant que nous serons attachés à cette existence-ci. Ça, c'est quelque chose qui est complètement inconcevable. Mm-hmm.
dans les trois principaux aspects de la voix, Lama Tsongkhapa, à ce propos, nous dit, en méditant la rareté et la fugacité de cette précieuse existence, ou de cette existence disponible et qualifiée, tu te détourneras des pensées de cette vie-ci. Donc, qu'est-ce que nous dit Lama Tsongkhapa ? Il nous parle de notre existence disponible et qualifiée, c'est-à-dire cette condition que nous connaissons, que nous pouvons connaître actuellement, et il nous invite en fait à prendre conscience du caractère disponible, du caractère qualifié de cette existence, de son caractère précieux, et de voir combien c'est quelque chose qu'il est difficile d'obtenir. Quand il nous parle de la disponibilité offerte par une telle existence, c'est le fait d'être à l'abri de, on pourrait dire, d'absence de liberté, on dit classiquement, c'est-à-dire de conditions qui ne donneraient pas le loisir, en d'autres termes, donc de connaître et d'avoir accès, de pratiquer le dharma. Et pour ce qui est donc on parlera des huit absences de liberté ou huit disponibilités, et cette existence disponible et qualifiée dont nous jouissons, pouvons jouir, est dotée de dix richesses, dix qualités, dix attributs, comme cela est rendu. Pour ce qui est des disponibilités, on parlera des huit disponibilités, c'est-à-dire, comme on dit, absence de liberté, le fait d'être né en tant qu'être humain est une évidence, fait que nous ne sommes pas nés en tant qu'être dans les enfers, nous ne sommes ce que nous aurions pu faire, pas nés en tant qu'esprit à vide, pas nés en tant qu'animal, pas nés non plus en tant que Dieu à longue vie. Pour reprendre ces quatre points-là, donc c'est une évidence qu'ayant pris renaissance en tant qu'être humain, nous n'avons pas pris renaissance ou dans les enfers, ou en tant qu'esprit à vide, ou en tant qu'animal, ou en tant que Dieu à longue vie. Mais même, laissons de côté un instant justement les enfers, les esprits à vide, les dieux à longue vie, ce sont des êtres avec lesquels on ne peut pas se relier directement, on ne peut pas les voir, ce n'est pas évident à se rendre compte. Par contre, les animaux, on en a une multitude autour de nous, et imaginons à quoi pourrait ressembler notre existence si nous avions pris renaissance en tant qu'animal. Tout le propre en fait de cette réflexion porte là-dessus, c'est-à-dire de voir combien nous manquerions de liberté, nous manquerions de disponibilité justement et d'aptitude pour avoir accès en fait, au dharma, pour l'utiliser, le comprendre, etc. Donc, combien on peut considérer donc que c'est une que nous sommes enfin que c'est une absence de liberté donc dont nous sommes à laquelle vis-à-vis de laquelle nous sommes à l'abri donc en ayant pris renaissance en tant qu'être humain. Nous avons dit que 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 nous avons dit que
で、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 で
Donc, quand on continue, donc c'est huit libertés, huit disponibilités. Donc, avoir pris renaissance en tant qu'être humain, donc c'était une chose, mais encore, aurions pu prendre renaissance donc, dans une région dans laquelle le dharma ne s'était pas diffusé, ne s'était pas encore répandu, et auquel cas, donc, nous manquerions de cette disponibilité-là. Nous aurions pu prendre renaissance également à une période durant laquelle un Bouddha ne s'était pas manifesté et dans lequel il n'aurait pas enseigné, en d'autres termes, ce qui fait que sa doctrine d'une façon générale n'aurait pas existé. Et là encore, nous serions un être humain certes, mais nous ne pourrions avoir accès au dharma. Un autre cas de figure est que quand bien même donc, nous nous trouverions dans une période, donc, nous vivrions dans une période dans laquelle la doctrine du Bouddha existe et vivrions dans une région dans laquelle elle s'est répandue, nous pourrions très bien avoir présenté des handicaps extrêmement lourds, des handicaps moteurs, sensoriels ou mentaux, suffisamment lourds de sorte que nous ne pourrions pas avoir accès non plus à cette doctrine. Et le dernier cas de figure est que que bien que tout cela ne soit pas le cas, nous pourrions nourrir ce que l'on appelle des vues fausses. Nous pourrions nourrir des vues fausses. Quand on parle ici de vues fausses, c'est des vues qui nous amèneraient, par exemple, à considérer qu'il n'y a absolument pas de principe de causalité, donc de loi de cause à effet, de ce principe du karma, comme on l'a vu. Ou encore que les trois joyaux n'existent pas. Arriver à nier en fait de tels aspects, c'est nous barrer complètement le chemin, en d'autres termes, notre processus. Et ces vues fausses là consisteraient, non, nous empêcheraient tout simplement de disposer d'une existence pleinement disponible et qualifiée. Loi. Non. Et donc, lorsque l'on passe ainsi en revue donc, ces huit points, il importe de voir si oui ou non donc, nous disposons de ces huit disponibilités et de nous en réjouir donc, lorsque tel est le cas. Samlo Madana, tu as dit que tu as dit Samlo Yabo, Tangi, Nangone, Tanedo, Tajichini, Jebachiades, Maranzo, Jebachiades, Tajichini, Tamadela, et Dindiji Resha, Samlo, Gawakomje. Il importe là encore donc justement d'examiner ces différents points et de regarder donc à l'aune de notre existence si cela si nous disposons en fait de ces différents points. Quelquefois à première vue, à première impression, on pourrait les prendre comme argent comptant, on pensait qu'on ne les a pas tous selon nos dispositions, et il importe donc de les passer en revue les uns après les autres et de réaliser combien effectivement notre existence peut être disponible de par telle et telle condition. Et lorsque l'on se rend compte donc remplit ces différents critères, enfin que notre existence remplit ces différents critères, alors et que l'on y a réfléchi donc suffisamment en profondeur, alors naturellement s'élève une profonde joie donc en nous à l'idée donc de disposer de telles conditions actuellement, et tout en éprouvant cette profonde joie, on réalise en fait qu'il y a un réel potentiel dans cette existence que nous ne devons pas gaspiller d'aucune façon. Donc ce serait extrêmement regrettable en fait de gaspiller cela. Wangbo Tang La Digan, Wangbo Tang, Wangbo Jinjin,
Sheba Tambo Ming and Ovodan, the De Rea Maris, or Tamatanda Yung at the others, Homozan. Let a Malova lady and did it others, Chidi. Tarza. No, Taming Alamajo, Passeva, Damasa, Dajumba, Savadani, Zijibo calling and singing Tamajumbas, on that did it others, or on the Rea Maris. Ne? Nella tears a lady, Nella tear lady, da? Ne. That lovely la tabayana, chill la tabayana divorces, then conjusum la tabayana divorces, roba, on the la tabas. Après donc avoir vu les huit disponibilités, donc quand on parle d'une existence disponible et qualifiée, il s'agit de regarder donc du côté des conditions qui caractérisent notre existence, ces fameuses qualifications ou qualités en tout cas dont elle est dotée, ses attributs ou ses richesses, donc au nombre de 10, 5 relèvent de notre on parlera d'attributs personnels, donc nous concernent directement, 5 relève de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Les cinq premiers attributs donc personnels consistent en le fait, en ce qui nous concerne, d'être né en tant qu'être humain, d'être né dans une terre centrale, une région centrale, c'est-à-dire une région dans laquelle vivent des personnes pleinement ordonnées, des novices, des personnes dotées de vœux, des laïcs par exemple dotés de vœux. Le troisième attribut est le fait disposer de facultés en fait intactes, sensorielles, motrices et mentales intactes. Le quatrième est le fait de ne pas avoir commis l'une des cinq actions à effet immédiat, qu'il s'agisse de tuer son père, tuer sa mère, tuer un arhat, faire couler volontairement le sang d'un bouddha ou créer un schisme au sein du sangha. Et enfin, le cinquième attribut consiste à éprouver de la foi, de la confiance, donc on dit littéralement dans la source. Qu'est-ce qu'on entend ici? Ça peut être par exemple dans le lamrim, donc dans les étapes de la voie, dans le processus finalement qui nous conduit à l'éveil. Éprouver de la foi dans le dharma, donc ça peut être à l'égard donc, de différents aspects. Des écritures, etc. Là. Tobal and Julia Yung Kansa Yumi Tagris. Tianani, ni Tobetamanidiaris, Tobetamanevas, Tambanena. Tajin Jews and Maranda, the Chichin in Chigi, the Tajisu Jubatosh, Rua, Tajin Jews. And the changing units of our Latigonata, she, and the Maranzo, no, Chu Jumila Twinjin, Jumig, and the Robaching Senata, Maranza Chuzo Tatiana, and then go Lamas. So, was in that Lama Ishine, so the only Ninja Gonja, and the Dissima, Susha, the others, Rua, and Shiela. Madame the Church, Yagi, Kokovjara, not and Chuzo, and the soup, Tinjin, Susha. The end of the Shinjin, there was a deal with it, Rua. Ensuite viennent donc les cinq autres attributs, donc aux qualités, qui relèvent de l'environnement dans lequel on se trouve. Le premier est vivre en fait à, on dit littéralement, une période où le Bouddha s'est manifesté, donc et où il a enseigné la doctrine, parce qu'un Bouddha peut se manifester mais ne pas enseigner, où on peut naître à des périodes où un Bouddha ne se manifeste pas, en tout cas un Bouddha qui enseigne ne se manifeste pas. Nous ne vivons certes pas à une période où un Bouddha se manifeste, enfin le Bouddha historique, non, on n'existe pas du vivant actuellement du Bouddha historique. Néanmoins, on peut considérer que par l'entremise de nos maîtres spirituels, donc on reçoit directement son enseignement, et que par là même, donc cet attribut, cela peut s'apparenter en fait à cet attribut. Donc classiquement, c'est ce qui est indiqué. Le deuxième attribut, donc, est que ce Bouddha est enseigné, et le troisième est que surtout cette doctrine demeure en fait.
Quand on parle de la doctrine, il y a deux aspects, la doctrine des écritures, celle des réalisations. La doctrine des écritures donc persiste ou perdure à travers, donc outre des textes, des êtres qui en ont une compréhension. Et la doctrine des réalisations relève en fait des différentes qualités actualisées, en fait, développées par ceux qui s'adonnent justement à cette doctrine des écritures, qui se servent à cette doctrine des écritures. Le quatrième attribut, le fait qu'il y ait des êtres qui justement s'adonnent à cette pratique du dharma, donc qui en usent, qui le pratiquent. Et le cinquième est le fait qu'il y ait des êtres qui soutiennent en fait justement cette pratique du dharma. Donc qui la soutiennent en donnant un environnement propice, comme par exemple ce lieu, un lieu comme ici, un centre donc par exemple que l'on doit à la bonté, à la compassion de Lama Yeshe, ensuite son disciple Lama Sopa Rinpoche. Également tous les êtres qui soutiennent matériellement en fait les êtres qui s'adonnent à la pratique. Tenajinda ngaran du chezo la lega lenge yore se lega lenge zo ani ta chezo di ya tena la pingo res chezo yurumbu ne ya la lega lenge ya goyo na chezo yurumbu ne ya la pingo res tiyan da jinzuge ngaran du la ani chezo be tinjin du ngi lega lenge ta dewa bénévole. T'as l'enchaîné qu'il est comme ça. T'as l'enchaîné. L'engaine n'a recommencé. Yorwa. Là où. On dit que, on a dit le chudu ya, tunjin, dungin cha de oris. Non. On dit que, on a dit la, ni, roka chingin cha de oris. Tien dan, on dit que, de la, lega lengi de la, malam ya oris, wa, ya oris. Ah, là où. Là, c'est dans ce contexte-là, enfin dans ce dernier attribut-là, donc on parle de soutenir en fait la pratique. Il y a un soutien de la pratique, donc un soutien quant à la qualité de l'environnement qui est procuré, quant à un soutien matériel, mais également un soutien, on pourrait dire, logistique, apporté par exemple dans le cadre d'un centre, par exemple comme ici, mais dans n'importe quel contexte, là, est possible pareil. Toutes les actions menées par des gens qui aident bénévoles, de façon bénévole, par exemple, qui soutiennent, là encore, qui permettent en fait à cet environnement d'être propice justement à la pratique. Et donc là encore, on peut rendre hommage, là aussi, de la même façon qu'on rendait hommage au maître fondateur d'un tel lieu, rendre hommage également aux bénévoles donc, qui interviennent et qui permettent donc à ce lieu de soutenir ainsi le dharma. Donc lorsque l'on passe en revue ainsi ces différents attributs, que l'on se rend compte que notre existence est dotée de tels attributs, là encore cela ne fait qu'accroître la joie que l'on éprouve donc de disposer d'une telle existence ainsi disponible et qualifiée. Arrivé à ce constat, donc, que nous disposons d'une existence pleinement disponible, pleinement qualifiée, donc ainsi source de joie, est une chose, mais si en fait cette existence ne servait pas à grand chose, bon, ce serait bien, mais ça n'irait guère plus loin que cela. Or, il s'avère que cette existence peut nous permettre de parvenir donc à des objectifs extrêmement élevés, qu'il s'agisse d'objectifs temporaires, qu'il s'agisse d'objectifs ultimes, finaux, qu'il s'agisse même d'objectifs, on pourrait dire, ou de qui ont des visées instantanées, c'est-à-dire instant après instant. Dendul dongen dugu mare sarwa dongen mede ba yanda dendu munde ba thapshe da bodi ma du gani mi ge wa ju pang ni ge wa ju dubje ani de mi ge munde ba thashe ma du dandal che ya yo de sarwa chima ni ka za chima yang du min long ha sa ji wa de de na lo la ka de lo jun jin na la ka de je wang ga ma ru mu ji ta da mi lu ren je pang ta da mi lu ru mu ji chima yang du mi dong ang sa ji wa 여기 같이 제왕 아마 좀 보지. 제왕
kiawa lenchu bares. Tanda mele rinpoche, chima ngensong mitong aangsa. Oh, de song res. De yinzang, manta la ngensong madunya tabshi de, ngandu tanda dele tanya yo res. Rwa, kiawa chu chu, mi kiawa chu pang, ndi chigi yina, tsirim songi yina, tsirim songi dikula, ni dendur kiya de, ko redeo res. Lorsqu'on parle donc de but temporaire, donc que cette existence donc nous permet d'atteindre, en effet, sur la base donc de telles conditions, donc disponibilité de richesses ou d'attributs, nous pouvons par exemple préserver l'éthique. L'éthique en l'occurrence de nous abstenir des actions non vertueuses, l'éthique de au contraire nous adonner aux actions ou des actions vertueuses, autant de choses qui résultent en fait en des renaissances favorables, en des renaissances dans des états fortunés, que ce soit en tant que Dieu en particulier, en tant qu'être humain notamment. Dans un entraînement de l'esprit, il nous est ainsi indiqué que c'est en vertu donc des actes de notre vie passée ou de nos vies passées que nous disposons d'une existence, d'une précieuse renaissance humaine ou existence humaine actuellement, et nous sommes invités à ne pas justement la gaspiller, ne pas la dilapider, de façon à nous préserver au moins de tomber dans des états d'existence infortunés. Et donc, le moyen d'y parvenir, donc, est justement de préserver l'éthique. Di ini kan le den di thola madam baca gugur es mi thula teni ni kata mi thudi sini niya kawe niya betul tu ni malu saya dah. Tadi ni mungkin ya wasu wa mi thula teni ni an kata cisa jawa tadi je sya. No. Jojo ke sungguh le ni kasu le. Jasa siwala ya. Jasa siwala ke sungguh le di nanti ane dah lojong mampu nampu le sewa. Ada dalam le sungguh le. Lorsque l'on regarde donc la valeur, la grande valeur à long terme, donc de manière ultime ou absolue, au final en tout cas, que nous permet d'obtenir donc cette existence ou d'atteindre cette existence disponible et qualifiée, elle peut en effet nous amener à nous affranchir complètement du cycle de nos existences, donc à nous libérer, parvenir à la libération. Et elle peut même au-delà nous amener jusqu'à la bouddhéité. Effectivement, lorsque l'on examine et lorsque l'on se sert, l'on applique en fait les quatre vérités, donc vérité de la souffrance, de l'origine, de la cessation et du chemin, lorsqu'on les examine dans le sens de la manière justement d'errer à travers le cycle de nos existences et au contraire la manière de nous en extraire, donc selon le processus inverse, on peut effectivement s'affranchir, donc développer les qualités nécessaires pour nous affranchir du cycle de nos existences. Lorsque, en plus de cela, on engendre l'esprit d'éveil, bodhicitta, on dispose alors des conditions pour parvenir à la bouddhéité. Et ça, c'est quelque chose que nous permet de faire cette existence disponible et qualifiée, donc que l'on vient de voir, qui est dotée des caractéristiques que l'on vient de voir. Différents maîtres, qu'il s'agisse de Atisha lui-même, qu'il s'agisse de Shantideva, qu'il s'agisse de Geshe Karawa, nous indiquent que lorsque l'on dispose ainsi de l'esquif ou du navire ou du bateau, peu importe, qui est en mesure de nous aider à nous permettre de franchir l'océan donc des souffrances, l'océan de souffrance, il importe d'en user le plus rapidement possible et il nous exhorte tous donc à ne pas nous laisser aller à l'indolence, à la torpeur, en disant il n'y a pas de plus grand aveuglement, il n'est pas de plus grande stupidité que de nous laisser alors aller à la torpeur et ne pas faire cas d'un tel de telles conditions.
Il est sur le bas. Donc là, nous venons de voir le deuxième point. Après avoir vu en quoi, enfin, ce qui caractérisait cette existence, ce qui faisait qu'elle était disponible et qualifiée, nous venons de voir combien elle a de la valeur, c'est-à-dire combien elle nous permet de parvenir à des objectifs qui peuvent être extrêmement élevés, finalement, et donc combien elle recèle une valeur extraordinaire. Et le troisième point, c'est de voir en fait qu'elle est difficile à trouver, parce qu'effectivement, si nous jouissions en fait d'un tel support, et cela indéfiniment, ou encore si nous pouvions alors que nous la perdons, en obtenir une autre assez aimant, passe encore, mais ce n'est pas le cas. On sait qu'il est extrêmement difficile donc de réunir à nouveau de telles conditions. Lorsque l'on regarde donc pourquoi on peut affirmer qu'il est difficile d'obtenir une telle existence disponible et qualifiée, on le voit de différentes façons, sous différents angles, sous l'angle de la nature même de cette existence, sous l'angle des causes, donc cela revient à cela. Nécessaires, donc ils sont nécessaires à sa production, et on le voit également habituellement par le biais de différentes analogies. Mais le plus important est de réaliser finalement la nature même de cette existence et donc les causes nécessaires à sa survenue. Quand on dit en fait qu'il est difficile d'obtenir une telle existence disponible et qualifiée, on pourrait en fait avoir du mal un petit peu à comprendre cela, en se disant mais bon, des êtres humains finalement il y en a quand même pas mal sur cette planète, donc ça doit pas être si difficile que cela. Et là il faut pas se limiter à l'espèce humaine, il faut considérer les autres espèces, au moins déjà celles qu'on peut voir, à savoir les animaux. Et si l'on compare le nombre d'êtres humains au nombre d'animaux, il est évident que le nombre d'êtres humains est extrêmement limité, déjà est dénombrable et extrêmement limité par rapport à celui des animaux. Si même par rapport au sein des êtres humains, on compare le nombre d'êtres qui ont une pratique spirituelle ou qui pratiquent le dharma à ceux qui ne le pratiquent pas, premier groupe donc est beaucoup plus restreint que le second. Et parmi les êtres qui le pratiquent, ceux qui le pratiquent purement, littéralement, sont encore beaucoup moins nombreux que ceux qui le pratiquent. Et donc cela montre combien, du point de vue de la nature même de l'existence disponible et qualifiée, il est extrêmement difficile de l'obtenir une nouvelle fois. Non,
Non, excusez, pardon. On discutait avec Geshe-la parce que le terme en tibétain dit tchè par rapport aux gens. Donc, je l'ai traduit aujourd'hui par qui pratique le dharma. Ça me semble beaucoup plus explicite parce que ce terme de tchè, on peut aussi, selon le nombre de contextes, je traduis par qui ont une spiritualité. Et si on compare, en fait, dans le nombre d'êtres humains, ceux qui ont une spiritualité et ceux qui n'en ont pas, en fait, il y a un nombre d'êtres sur Terre qui pratiquent une religion, qui ont une spiritualité. Donc, c'est pour ça que c'est pas, c'est, le terme ici ne va pas en termes de religion en général ou spiritualité. C'est vraiment le terme de dharma auquel il faut, voilà, de façon plus, plus limitée. Chilo, And dine chigne ani zo tanda di chue di jiwa chima penji ruya yu chue no dishi li yungwa di on di li yungu na ni ta tela diwa yung logo gula no Non. Et donc ce n'est pas, il n'y a pas de caractère d'exclusion. Comprenez bien aussi ici le raisonnement, c'est que quand on parle donc de, ici de dharma, donc d'êtres qui pratiquent le dharma par rapport à d'êtres qui ne le pratiquent pas, c'est par exemple quand on regardait les différentes caractéristiques de l'existence disponible et qualifiée, il y avait par exemple cette confiance, cette foi par exemple dans les enseignements du Bouddha, dans les étapes de la voie, dans le principe de causalité par exemple, enfin en tout cas pour ceux qui n'étaient de ne pas développer de vue fausse, etc. Donc autant de choses qui sont spécifiques en fait du bouddhisme. Donc. Yeah. Ta judu baka ve konani dilavge na wa ta judu ve dini tsudim ngonde juni tsudim le shimens wa tsudim songu wa des tsudim song zadi ta mige ju bugu tsudim da ji na ta ngadu tu ta da ani kandi ji songu do so zo jewa jema mil jewa len da ma len sa tsudim song zene jegzi ma she ba tam ji tsudim song wa si ma des Tsudim song siyadi, jagdi ma shiaba dini, gharit danda ma shiaba kukuris lana, dzim ma shiaba dini, gharit danda ma shiaba kukuris lana, maungba ngala nukudu, di dikwa sakudu, anu rangda xin, tamala nuyarisha, di inza, di ngay chi jumindu samji, domje, domya dala sikwari, sarwa. Dini indi gane, dini chini, sungu domindu tatas. Di song jie, susu yaku chikiyo na, tsudim song jie yaku chikiyo na, anu ngundu ju lel hauris. Monde du lait la malasse, sous le ralais, madame de chingé meinza, calicaures, et son yon goddess. Drumgain, comboinza. Tidum songa comboinza. On dit gagne, on dit du drumgain calicaures, et son goddess. Lorsqu'on le regarde maintenant, la difficulté d'obtenir une telle existence du côté relativement donc aux causes nécessaires pour l'obtenir, la première des causes donc, qui préside à une telle existence est l'éthique. Et l'éthique. Et regardons enfin, tout simplement la difficulté avec enfin, combien il est difficile de préserver l'éthique. Même si l'on se tient simplement à l'éthique dans sa dimension la plus élémentaire, à savoir le fait de s'abstenir d'accomplir l'une ou l'autre des 10 actions non vertueuses. Rappelons-nous que le simple fait de ne pas mentir ne consiste pas en la préservation de l'éthique, en fait. Ça, c'est une action neutre, simplement. L'action. L'éthique ici correspondrait au fait de penser que si je mens, il y a quelque chose de préjudiciable pour les autres et pour moi-même. Et qu'en dépendance de cela, il y a une expérience de souffrance qui est faite inévitablement. Donc de voir le caractère préjudiciable de l'action et de décider, au vu de ce caractère préjudiciable, de s'abstenir d'une telle action. Ça, c'est préserver l'éthique. Donc pas simplement le fait de ne pas commettre une action négative en soi. Ça ne suffit pas. Et la préservation donc de l'éthique est la condition sine qua non de l'obtention d'une renaissance favorable en tant que Dieu ou en tant qu'être humain. Je suis un peu plus de temps.
저 응시 진행되거든요. 대화 세미 딩네 푸기 미유다고 돼. 가려야 되려나. 소소 루부 대화. 내나다 뇽아. 아니 진짜야 동야 가리나. 자지와. 아니 소소 초 야고 초와. 와 된데 미유 삼당게 됐어. 된데 초와쇼. 된데 야고 용와쇼. 아니 소소 초핀 펜지 된다 아니 베데. 안 상말로 된지 상와 야고 용와쇼. 고란들 얘기고 용와쇼. 삼루디 세디나게 삼루두 콘레디그레스와 딜레디가네 세디라 삼루당베 최제바이나 최디 가완두레 어다디 아다 라브림다 삼루송야레스와 세디라 삼루당제 아니 최제바이나 최디기 레지나마 메드보디 세디나미바지 응그레마도 니 디펜제라 로야마레스 가르스 미유데와 주 딜라디네 사샤바레데와레스 벤제 가르레스라나 딜라디니 세델차베 자신 제바레스 와 세델차베 자신게 관계 엔다 최치나다 가르치나지 제바레스 디 제인다 델라데니 카리용거레 코아코지 주 마음바 양조 코아코지 주 사데그르마도 아니 데로야 마레스 당연 손흥거레스 라요레 다지 말라가지 와 코아코지 주 사데그레스 디 손요레스 Le scontant, c'est peut-être dit, comme je vous pénage, qu'est-ce que je vois? Quand on a une sultime dans le jeu, on a des lola lamsa chargimido. Lorsque l'on accomplit en fait une action telle que la préservation de l'éthique, ou que l'on s'adonne en fait à n'importe quelle action qui va relever du dharma, comme prendre refuge ou toute autre chose, il faut être extrêmement encore attentif à ce qui nous anime véritablement, à l'intention qui est la nôtre. Parce que par exemple, lorsque l'on prend refuge, on termine en disant « pour le bien de tous les êtres ». Et on fait ceci ou cela pour le bien de tous les êtres. Mais si l'on regarde bien et avec honnêteté en notre fort intérieur, à ce moment-là, on se rend compte qu'on est en train de faire ça pour avoir une meilleure santé, recouvrir une meilleure santé, pour avoir de meilleures conditions de travail, financières ou autres, pour avoir un entourage qui est plus aimant, ou plus ceci ou plus cela, pour que nos proches connaissent de meilleures conditions. Mais on se rend compte, si l'on regarde bien, si l'on est très honnête avec nous, que finalement toutes nos pensées tournent autour de cette vie, et autour de cette vie exclusivement. Auquel cas, le karma, en quelque sorte, ici, introducteur est un karma qui va nécessairement ne pourra que nécessairement nous propulser toujours et encore
au sein du cycle de nos existences. D'aucune façon, nous pourrons sortir, nous extraire de là, et même dans la mesure où ces pensées relèvent en fait, de cette existence-ci exclusivement, il ne va pas s'agir de pratique du dharma à part entière. Et fort probablement, donc, elles vont nous propulser, ces actions pardon, vont nous propulser vers des états d'existence infortunés. Donc, pour venir ici à l'éthique, le simple fait de ne pas mentir, mais par exemple, non pas pour, par exemple, nous préserver d'une renaissance dans un état d'existence infortuné, donc ce qui serait une motivation qui toucherait au moins celle d'un individu de petite capacité, mais qui serait une motivation, donc ne pas mentir, pour être bien vu, finalement, par les autres, pour être considéré comme quelqu'un d'intègre, etc., de probe, etc. Cette motivation-là n'est pas une motivation qui fait que cette action de ne pas mentir ne va pas relever du dharma, en fait. Il nous propulsera donc vers des états d'existence infortunés, vu que la motivation qui nous anime, c'est simplement notre réputation dans cette existence-ci, par exemple. Il y a un potentiel, c'est-à-dire l'action en elle-même de ne pas mentir n'est pas négative, il y a quelque chose de bon là-dedans, et donc cet aspect positif mûrira dès cette existence-ci, parce que de toute façon la motivation ne portait que cette existence, que sur cette existence-ci. Par contre, la recherche quelque part ensuite de la réputation, etc., donc est une action elle aussi, puisque c'était notre intention, ce qui sous-tendait en tout cas cette action, et cela mûrira donc sous la forme d'expériences désagréables ultérieurement. Les autres causes, donc, pour obtenir une existence ainsi disponible et qualifiée, outre la préservation de l'éthique, donc sous-tendu, comme on l'a vu, donc par une motivation suffisamment large, et celle de pratiquer la patience, la générosité, donc toutes ces pratiques. Et par exemple, là encore, ces pratiques elles-mêmes devraient être sous-tendues donc par une motivation suffisamment large, parce que on peut très bien s'adonner à des actes de générosité, cela avec une très grande prodigalité, sans pour autant que cela relève d'une pratique du dharma. On peut très bien pratiquer énormément de dons, avec toujours un œil rivé sur les voisins, pour savoir s'ils nous considèrent comme une bonne personne, ou comme quelqu'un de suffisamment généreux, etc. Et toutes les actions que l'on mène peuvent être sous-tendues par cela. Ensuite, il est clair que si, alors là encore, il nous appartient d'examiner notre propre esprit, ce qui colore finalement notre intention, ce qui nous anime, en d'autres termes, et de voir que si c'est quelque chose, si c'est une intention qui effectivement a une longue portée, c'est-à-dire qu'elle vise au moins nos existences ultérieures, voire même plus largement les autres êtres, etc. Alors à ce moment-là, il s'agira d'une pratique pure du dharma, et auquel cas, nous pourrons quelque part être sûrs que nous nous réunissons, ce faisant les causes nécessaires à l'obtention à nouveau d'une existence disponible et qualifiée. Ce qui veut dire qu'auquel cas, dans ce cas de figure présent, obtenir une existence disponible et qualifiée ne sera pas difficile. Mais à défaut d'arriver à faire cela, ça restera difficile. Ah,
다단다 된데 중대 여단 다단다 디 중외 대라 어느 간주 배된 가와 검제 류된데 촐라마다 뭐지 지역으로 예수는 다 납치 자용 거래 들어와 대인디 간주 다 디 레도 면도 알아서 딱지 지기나 딱지 지야 개지 모레스 딱지 맞으나 단다 나에게 된전이가 다 된차와 다 된데서 라지 간에 아 다디 다와리 된저 된진이가 샤다리샤 삼는 디 삼는 고르게 됐어와 얘네도 삼단계이나 덴조니아가 삼로단계에는 안 되나요? 덴조 덴조니아가 삼계에는 덴자와 삼로단계에는 덴메드 다기도는 방법인 거래요. 와, 다가 덴메바다 누구도나 방법인 거래. 아, 다 덴친부여 그래. 말하면서 다 남자 준대는 로단 다가로와. 다 대화지지 내가 내니 디 내가 들래야 대할때니 전다 친부지 누구여나 내가 들래야 말하니 쇼르스나 아, 다들 내가 들래 투마선 뺏어서는 다 샘대치기로와. 와. 디강드니 디지야 지투메다 디 라투메 다기로와 언디는 신 마란즈 미지 디텐라니 된신부지 주여 하거나 된 되메 주도난 방법이 그래서 된신부 주여 배전치 그래 선선 거래서 디강드도 레도면도 다다레도면도 다지지 된신부 주투도 주투면도 다지지 된신부 주여 여바디 맞다 다 유시다 되는 샤슈로 전진부 두배 여바디 단지 대시자가 되는 신뢰 아니 다른 쪽에 도도 말한도 샘 주주당 여바디 돈에 대와 두고 그래 설마 샘 주주당 여바디 디돈에 대와 두고 그래 샘디 말한도 주주당 여바디 샘 말한도 미기바다 누가 쓰야게 샘디 가르래도 야가 쓰야 샘 가르래도 딱지진 말한도 단다 디도 미털로 지는 지하여래 남주디여래 मैं माइंब तुरु डबल जी के वाले उसने नमजू दिमें तो चितो मारे तीन तो न्यावा तो अन मिल्यू थोपे तेन तेला चेगोरे से दिसों गोरे सुवा La conclusion à laquelle on arrive quand on balaye ainsi ce premier aspect, donc qu'est notre existence disponible et qualifiée, de voir ce qui la caractérise, de voir la valeur qu'elle recèle, de voir combien elle est difficile à obtenir, la conclusion générale à laquelle on arrive est que nous disposons de quelque chose d'hors du commun, d'absolument exceptionnel, qui recèle une valeur extraordinaire et qu'il nous importe de ne pas gaspiller, en fait, dont il nous importe de tirer le plus grand profit. Mais cela, en fait, on n'y arrive pas simplement en ayant balayé ou survolé le sujet, mais en l'ayant véritablement, encore une fois, bien examiné, bien analysé. De voir vraiment si ce que nous connaissons, l'existence qui est la nôtre, est véritablement disponible, si elle est véritablement qualifiée, pourquoi cela, et si, comme cela a été décrit, si elle recèle ce potentiel donc, de nous permettre de parvenir aux objectifs qui ont été indiqués, pour quelle et quelle raison. Donc tout cela, il nous faut y réfléchir et y réfléchir en profondeur. Parce que, encore une fois, écouter ce sujet et le réécouter pour certains d'entre vous de multiples reprises présente un caractère complètement répétitif. On se dit, bon, mais c'est bon, je le sais, j'ai une renaissance disponible et qualifiée, c'est une bonne chose. Et puis on peut s'en tenir là sans jamais pour autant aller plus loin et réaliser ce que signifie, par exemple, que cette existence est dotée d'une très grande valeur. Réaliser ce point, en fait, lorsqu'on dit qu'on a intégré, assimilé ce point qu'on a réalisé, signifie que cela va nous amener à complètement faire voir notre esprit pivoter, faire que notre esprit, puisqu'elle a une telle valeur, cette existence, faire que notre esprit ne s'adonne plus à des choses futiles, des choses vaines, en fait, parce que justement, il ne cherche qu'à utiliser, qu'à exploiter cette valeur extraordinaire. Il faut arriver cette réflexion doit nous amener à ce que notre esprit finisse par pivoter, donc on peut dire habituellement se transformer, en fait, mais à adopter finalement une autre posture, une autre position. C'est ce que nous faisons habituellement. Lorsque, par exemple, nous examinons quelque chose, nous intéressons à un travail, nous avons une opportunité particulière, puis elle nous passe sous le nez et on se dit « alors ça, c'est une grande perte, là j'ai vraiment perdu quelque chose, parce que sous-entendu, je voyais la valeur en fait de cette chose-là. » Ou au contraire, « j'ai obtenu quelque chose et j'en tire le plus grand profit, parce que ça, c'est quelque chose qui a de la valeur. » Donc c'est quelque chose que nous savons faire, encore faut-il mener cet examen, mener cette analyse. Et ce qui revient encore à dire, user de notre capacité de discernement.
Et lorsque l'on arrive à cette, lorsqu'on parcourt ainsi ces différents points, on arrive donc à notre esprit naturellement éprouve une profonde joie, donc à l'idée de disposer donc d'un tel potentiel, de telles conditions, et est complètement prêt et enfin est enfin convaincu de la nécessité d'en tirer le plus grand profit et de le faire dès maintenant, puisqu'il n'est pas si aisé que cela, comme on l'a vu, d'obtenir à nouveau de telles conditions. Est-ce que vous êtes heureux d'avoir obtenu une existence disponible et qualifiée? Oui, déjà, on est simplement aux étapes, en fait, à la réflexion donc, d'un individu dont la capacité est petite encore, dont la motivation est de petite envergure. Et regardez, déjà, ce n'est pas si évident que ça, en fait, de réfléchir vraiment à cela et de l'intégrer. Ce que nous, on n'a pas... Parce que nous, en fait, on n'a pas de problème. On passe directement aux réflexions d'un individu de grande capacité, vu que du matin au soir, on répète pour le bien de tous les êtres, pour le bien de tous les êtres, que ce soit bénéfique à l'ensemble des êtres, en ayant juste occulté un petit peu qu'éventuellement, il fallait se pencher sur les réflexions d'un individu de petite capacité qui, en fait, servait de corps, en fait, ou soutenait, en fait, tout cela. Nous, on passe directement pour le bien de tous les êtres. Parce qu'en fait, on est très, très pressé de parvenir à la bouddhéité. Or pourtant donc c'est une étape un prérequis en quelque sorte indispensable, faute de quoi envisager des étapes ultérieures, donc mener des réflexions ultérieures, c'est un peu avancer sur des sables mouvants, c'est-à-dire que les fondations ne sont pas solides, ne sont pas stables, et on a finalement un processus qui est extrêmement précaire, en fait extrêmement qui n'est pas fiable du tout. Si l'on regarde bien, effectivement, il y a quelque chose d'assez incongru, en ce sens que ce qui nous obsède, on pourrait dire, c'est vraiment parvenir vite à l'état de Bouddha, en fait. Et cela, sans penser une seconde que pour y parvenir, il faudrait peut-être entre-temps se libérer, ça veut dire détourner nos pensées des vies ultérieures, et pour y arriver, d'abord, détourner nos pensées de cette vie-ci, c'est-à-dire être un peu moins préoccupé par tout ce qui nous attire et exerce encore un pouvoir d'attraction aussi fort sur notre esprit. Mais ça, c'est secondaire. Pour nous, c'est vraiment l'urgence, c'est la bouddhéité. Et de voir combien finalement il y a un décalage dans tout cela. Il est important que nous prenions conscience de cela. Nous abandonnons complètement donc, ces étapes initiales, en fait, qui sous-tendent, encore une fois, qui servent de fondation, en fait, aux étapes ensuite d'un individu de grande capacité. Et c'est dans ce même esprit que certains maîtres, lorsque on vient leur demander des initiations, par exemple, dire « Oh, les initiations, mais laisse tomber les initiations. D'abord, apprends à méditer un peu le lamrim. Apprends, en fait, à roder ton esprit aux étapes de la voie, à l'entraînement de l'esprit. Et sache méditer d'abord cela, avant de penser un instant aux initiations ou autre chose. » D'accord.
nando dinde yinda sarwa wa chesal sin ding ne ju sa da bu chesal a sam da mi yu mi ba mi yu de san ji ko ban la mi yu sam da jang ya de chun ji ne jang ya de ga zu de yinda s non wa je vois pouki connaissait de yono de ga wa En fait, essayons de, garder le cap, c'est-à-dire que notre objectif, certes, est de parvenir à la bouddhéité, mais rappelons-nous où nous sommes actuellement. En fait, c'est ça qui importe, c'est-à-dire gardons effectivement un œil loin sur cet objectif, mais rappelons-nous où nous sommes, c'est-à-dire à entraîner notre esprit, à le faire mûrir, en fait, grâce à ces différentes réflexions qui sont, par exemple, partagées avec des individus de petite capacité. Bâtissez un immeuble avec des fondations précaires et c'est la meilleure façon de faire s'écrouler l'immeuble. Donc, d'abord, bâtissez de bonnes fondations. De voir en fait que c'est maintenant, nous disposons de ces conditions particulières avec une existence disponible et qualifiée, nous disposons de toutes les conditions justement pour bâtir des fondations solides, c'est-à-dire pour mener à bien ces réflexions et ainsi faire mûrir notre esprit, le rendre réceptif ensuite pour que l'on puisse aborder donc des réflexions qui nous amèneront chaque fois un petit peu plus loin. Et essayons, en fait, quand on dit tirer profit de notre existence, c'est ça, c'est nous servir de ce dont nous avons besoin maintenant pour pouvoir faire mûrir, faire avancer notre esprit. En tout cas, c'est les conseils que nous ont donnés nos maîtres par le passé, des grands maîtres par le passé. Et donc, unissons nos... Unissons tous nos prières à cette fin, c'est-à-dire tout en gardant certes un œil sur notre objectif peut-être ultime, mais de bien bâtir en fait, de bien réunir en fait les fondations dès maintenant. On prend le livre à la page 90. Ma
watso yinjabezete adote. Qui se trouve au dos de la page de garde de couverture.